Je m'appelle Madeleine Griselin, je suis tombée dans la glace quand j'étais petite. J'ai consacré une partie de ma vie à étudier les glaciers. Je suis directeur de recherche au CNRS, géographe au laboratoire TEMA de Besançon. Pour comprendre les glaciers, il faut déjà comprendre ce que c'est que la glace. Et pour comprendre ce que c'est que la glace, il faut déjà faire la différence entre la glace de mer et la glace des glaciers terrestres. Alors la glace de mer, c'est tout simple, c'est la mer qui gèle. Le froid vient par le dessus, la mer gèle, et donc au-delà de 4 mètres d'épaisseur, le froid ne passe plus, donc la banquise, ça s'appelle la banquise, et ça fait 4 mètres d'épaisseur au maximum. La glace qui s'accumule sur les glaciers, c'est de la neige qui tombe et qui va se compacter, et en se compactant, elle va donc gagner en densité et donner de la glace. On va avoir différents types de glaciers, et ces glaciers, donc, dus à l'accumulation de la neige va faire du poids, et comme de la crème sur un gâteau, ça va faire s'écouler le glacier par gravité. Donc certains glaciers sont énormes, ont 4000 mètres d'épaisseur, je rappelle que la banquise c'est 4 mètres, en Antarctique, donc, les glaciers font 4000 mètres d'épaisseur. Au Groenland, ils font 2-3000 mètres d'épaisseur. Les glaciers que nous étudions, nous, sont des restes des grandes calottes glaciaires du passé, et ils font à peu près 100 mètres d'épaisseur. Mais tout cela est en mouvement. S'ils arrivent jusqu'à la mer, ils vont tout à coup être libérés de la friction sur le sol et ils vont se fragmenter, donner des icebergs. Si vous léchez un iceberg, c'est de l'eau douce. Tandis que s'ils sont sur la Terre, ils vont être freinés par la Terre et se terminer par de la moraine, donc un amoncellement de roches et de pierres qui ont été transportées par le glacier.